Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve avec une machine que tu devrais connaître. Si tu suis assez la chaîne. Donc ça, c'est un projet qu'on a eu il y a quelques temps. Donc, c'était la tronçonneuse du voisin. L'histoire, je sais plus. J'avais dû la dire dans de précédentes vidéos. C'est une tronçonneuse où on a mis un module d'allumage pour éviter le système de vis platinée et condensateur. Donc tu gardes la bobine et puis elle envoie le signal via un petit bidulier. Tel que tu vois la machine, c'est tel qu'on me l'a donné. Je te dis donné parce que il me l'a donné en fait. Je comprends pas trop la démarche, mais je vais t'expliquer pourquoi il en est venu à là, je pense. Alors bon, mon voisin il est pas tout le temps là, c'est une maison secondaire. Et il avait ramené un camion de bois de récup, tu vois, parce qu'il chauffe au bois comme moi. Et c'est dans le camion, lui il faut qu'il sorte ça, il débite tout, tu vois. Et je vois, il était avec la tronçonneuse électrique. Et bon, on se dit bonjour, tout ça. Il me la ramène, il me dit ouais, tu connais pas un affûteur dans le coin? Je fais le plus près, c'est moi. Donc, je lui dis, par contre, tu vas être en... Mais pourquoi tu prends pas la style? Il me dit, ouais, elle démarre pas, le lanceur, il est bloqué. Enfin, mais bon, ça peut arriver, tu vois. Pour moi, la corde a été complètement détendue. Enfin, pour moi, c'était ça. Il me la sort de la cabane, il me la ramène. Et non, en fait, le lanceur était bloqué en position basse, tu vois. Comme si le ressort était bien rentré, tout ça, qu'il n'y avait pas de souci avec le lanceur, mais que c'était le moteur de bloquer. Et là, je lui dis, attention, je sais pas ce que t'as fait avec l'essence, ça se trouve, t'as pas mis assez d'huile et tout ça. Il me dit, si, pourtant, j'ai bien acheté du 98, comme tu m'as dit, je mets un bouchon d'huile par litre. Alors, faut pas se fier aux bouchons, hein. T'as des bouchons de 40 ml, d'autres de 10 ml, d'autres de 20 ml. Alors, ce qu'il faut que tu retiennes, hein, ce qui est très important à retenir, par exemple, si t'as un mélange qui est 40 pour 1, c'est du 2%. 2%, c'est-à-dire pour 1 litre, donc pour 1000 ml, tu mets 2%, donc 20 ml d'huile. Les bécanes avant, je les faisais quasiment toutes tourner avec ça, 2,1, 2,2, 2,3, tu vois, ça pouvait varier, mais toujours au-dessus. Des fois, je rajoutais un peu plus. Ce que je fais maintenant, c'est que je me fais un mélange de pourcents et je rajoute un bouchon. Donc ça te fait du 2,3, quoi, un truc comme ça, donc ça va très bien. Après, il faut suivre les recommandations par rapport à chaque machine. Hein. Très très important sur le dedans de bien surveiller votre mélange, le pourcentage de mélange. C'est pas parce que t'as un bidon de dedans pour ta débroussailleuse, je sais pas, style, toute neuve, que ça va fonctionner pour ton tailleur Aikawa qui date de 70, tu vois. C'est les ratios mélange huile essence sont super importants sur les deux temps. Si tu mets trop gras, alors j'ai un collègue un jour qui m'a sorti parce que alors déjà le collègue si tu veux bouchon doseur pas connaître. Je prends le bidon de 5 litres, je fais avec l'huile et oh c'est bon à la couleur c'est bon. Ouais. Un an après sa débroussailleuse style c'est bizarre elle a plus de compression. Ah bah ouais faut peut-être pas chercher trop loin. Hein. Mais donc c'est super important, c'est pas en mode walou, ça ira. Tu peux le faire trop riche, je recommande. Enfin, j'ai même déjà eu une machine qui a pas démarré parce que c'était trop riche. Vieille vidéo de la Mac Culoc, la débroussailleuse Mac Culoc, tu peux regarder ça sur la chaîne. La machine ne démarrait pas parce que c'était un mélange 4%, mais avec de l'huile de synthèse. Enfin, 4 ou plus même. Hein. L'essence était rouge, rouge, rouge. Hein. Donc très important à respecter. Donc, je pensais que le moteur était bloqué, mais le voisin il est en mode j'ai une tronçonneuse électrique que tu pourras m'affûter après tout ça. Je le voyais galérer l'autre. Enfin, c'est la chaîne elle fumait pas, mais tu comprends, hein. Surtout une tronçonneuse électrique. Du coup, il préfère l'électrique parce que c'est plus simple. Il arrive, il branche, il coupe. Voilà. Hein. Donc c'est ta tronçonneuse électrique premier prix de merde. On va y revenir. Hein. Tronçonneuse électrique premier prix de merde. Retiens ça. Retiens ça. Il y a eu pire, mais je veux dire, au niveau sécurité, ils se sont améliorés. Hein. Et puis bon, ça fait le taf pour débiter des petites conneries comme il fait. Ça lui va, et je peux comprendre que ça va. Moi, d'un autre côté, je suis très 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 thermique. J'adore ces petites machines à pétrolette, que ça soit du 2 temps ou du 4 temps.
Ça, je pense que tu l'as remarqué sur la chaîne. Après, il y a le sweet spot, tu vois, le point idéal. La machine entre 80 et 90 japonaises. Là, tu rentres dans du putain de caviar. C'est des trucs costauds, super bien, faciles à utiliser. Et t'as, enfin, si tu es soucieux de la sécurité, tu as quand même des arrivées sur des points de sécurité. Et par exemple, la HR21, c'est la première tondeuse Honda, mais c'est la première tondeuse avec un embrayage de la main. Si tu connais bien la chaîne, tu sais aussi que je suis pas très style. Hein, j'ai eu qu'une seule machine style. Ça, c'est la deuxième maintenant. Hein. Bon, ce qui me fait chier, c'est que le voisin aimerait bien que je la garde pour lui prêter quand il est là. Tu vois, je suis le gardien et j'en prends soin. Donc, je sais pas parce que j'en ai chié des tronçonneuses. Hein, la pionnière, tu la comptes pas. Hein, elle sert de bibelot dans le jardin. Le moteur, il s'est grippé avec la flotte. Mais j'ai déjà ma mythique Echo 320 EVL. J'ai la 330 EVL qui a toujours été un nid à merde. Elle a des fois bien fonctionné, mais en gros, faut que je refasse le carbu. Elle, tu vois, celle que tu vois là, elle rentre dans la catégorie de la 330, c'est-à-dire légèrement plus puissante. J'ai la Shindawa qui sert plus, celle qui était serrée, là, machin. Le gui de la chaîne sont morts, je vois pas l'intérêt d'en racheter. J'ai Oh, la Husqvarna, putain. C'est une Husqvarna 51-54. On l'a très peu vue sur la chaîne. Mais c'est un délire cette machine, c'est un délire. J'ai fait une remise en route, pareil, made in Sweden, enfin une crème cette machine, c'est fou. Après ça, j'ai la Omlite. Donc ça, voilà les tronçonneuses. Et voilà qu'arrive ce style. Donc, je t'ai dit, moteur était grippé. Voisin, il était avec son élagueuse électrique, désaffûté. Donc je lui ai dit, attends 2 secondes. Je vais voir si ce guide-là va sur ta chiotte électrique. Comme ça, tu peux couper parce que cette chaîne-là n'était pas trop désaffûtée. Tu vois, ça allait comparé à l'électrique. Et comme ça, je peux affûter l'électrique. Donc, je lui mets ce guide-là qui passe, je ne sais comment, sur l'électrique. Mais avec la chaîne, d'ailleurs, bon, ce n'était pas idéal, mais ça pouvait le dépanner, tu vois, le temps que j'affûte et voilà. Et au final, le guide et la chaîne d'électrique n'arrivaient pas là-dessus. Donc, j'ai affûté l'électrique, j'ai fait une petite pause, j'ai affûté oui, j'aurais pu lui prêter une tronce, mais ça m'était pas venu. Surtout vu comment il coupait, tu vois, il était avec ses branches au-dessus de la brouette à les couper. Enfin, je lui ai déjà prêté des machines, mais bon, une tronce, toi, si j'ai en prêté une pour faire ce qu'il faisait, c'était la 320. Tu me bousilles la chaîne sur la 320, je vais pas être content. Il m'en aurait racheté une, tu vois, mais c'est juste que bon, j'ai une bonne chaîne, un bon guide, j'ai mis de la thune là-dedans. Les Husqvarna, pareil. C'est mes deux machines où les guides et les chaînes sont nickel. Parce que j'ai jamais eu d'accident de tronçonneuse, mais au début, je faisais vraiment de la merde. Ça veut dire que j'avais des guides usés, je remartelais le bord. Ça se fait en boîte, ça, enfin, pas remarteler, mais t'enlèves le fil et tout ça, mais. Ouais, tu peux enlever le fil s'il y en a un peu, mais tu vois la gouge qu'il y a au milieu là, si elle est usée, que ta chaîne elle va trop de droite à gauche, je peux te dire que c'est vraiment très dangereux parce que la chaîne peut sauter, ça ponce la chaîne. Si tu mets une chaîne sur un guide usé, ça va la poncer. Si tu mets une chaîne usée sur un guide neuf, ça va être pareil. Je démonte le bouchon d'essence de réservoir, ça pue la vieille essence, mais vraiment la vieille vieille essence, tu vois. J'ai pas compris parce que la machine, bon, je pensais pas qu'elle avait pas tourné depuis aussi longtemps. Donc j'enlève ça, je mets de l'essence fraîche. Elle était bloquée. Donc je déboîte l'antiparasite, je démonte la bougie, et là, plein d'essence dégueulasse. En gros, elle était hydroloquée, quoi. Elle était bloquée par la vieille essence qui a pas pris feu, tu vois, le bordel. La bougie, elle s'est gommée avec la vieille essence. Et puis voilà. Ben, le truc tout con. Donc j'enlève ça, je nettoie la bougie, je la remonte, et là elle veut pas trop démarrer, tu vois. Je démonte le filtre à air, et j'ai jamais vu ça sur une autre machine, enfin j'ai jamais vu ça, filtre à air complètement moisi, bouché de moisissure. D'ailleurs j'ai pas tout enlevé comme ça, je pouvais te montrer un peu, enfin j'ai nettoyé un peu le filtre, mais j'ai pas enlevé la moisissure qu'il y a en dessous, tu vois, au niveau du carbu. Et en fait, bah, je sais pas, apparemment dans sa cabane, de l'humidité qui est restée, tu vois, et puis ça a moisi, enfin, bizarre. Bizarre. Surtout, tu vois, la vidéo, je sais plus, faudrait que je regarde, mais la vidéo
Justement, je bricole l'allumage, c'est pas si vieux que ça. Hein. Pose d'un. Ah oui, il y a 2 ans. Bon. Ça se trouve, elle était restée 2 ans. Hein. Je le vois là. Il y a deux piges. Donc il y a 2 ans, bon, elle avait eu un nettoyage complet, pose d'un allumage, tous les réglages qui vont bien. Et bon, j'ai une 010 AV en pièce au grenier. Je sais plus trop ce que j'ai en pièce parce que je me souviens que la poignée elle a traîné très longtemps dans une caisse dans le jardin. Je sais plus où c'est ça. Bref. Donc au final, celle-là, bah tu vois, elle redémarrait. Donc j'ai repris l'électrique, la tronce électrique, pour l'affûter. Donc je l'affûte vite fait. Et je vais lui rendre. Et au moment où je le regarde faire, tu vois, je me suis dit, mais attends, il est sur sa brouette, il s'en sert comme chevalet, va se passer une couille. Et au moment où je pense ça, j'allais lui dire justement, quand il allait arrêter, tu vois, t'as pas peur? Et je te jure, j'avais ça en tête. Et là, il tape la brouette, mon gars. La chaîne, je la vois. Comme ça, en arrière. Et je lui dis, t'as vraiment du cul, toi. T'as vraiment de la chance parce que... Enfin bon. Et lui, il utilise ça sans gants, sans casque. Walou. Donc. Et d'ailleurs, je lui avais même remis de l'huile de chêne de mémoire. Parce qu'il n'y en avait plus dedans. Alors. Donc là, la tronce est telle que je l'ai ramenée. Alors, je sais pas si le choc a pété la poignée. Parce que j'ai reprise comme ça. Ça se trouve... Là, en fait, t'as un silène bloc à l'air libre. Là, donc, faut que je regarde ça. La chaîne a sauté. Mais je sais au moins qu'elle fonctionne. Quoi. On aura peut-être besoin d'un petit réglage. Donc là, je vais te redémonter le cache-filtre air. Et tu vas pouvoir observer la moisissance. Et c'est celle où le lanceur avait été bricolé, là. Je sais pas comment, d'ailleurs, pourquoi il y a une vis et tout ça, mais... J'y avais pas touché parce que je me suis dit si ça fonctionne, n'y touche pas. D'ailleurs, ça serait bien qu'on change la corde, tu vois. Quand ta corde elle commence à être filochée, enfin là encore de la vie devant elle, tu vois, mais bon, elle a surtout filoché en haut. Mais ça serait bien quand même de contrôler ça. Elle date de 1982. Donc, je t'ai dit que j'aimais... Ah oui, la poignée... Ah ouais. Bah, les silène blocs, ils sont un peu baisés là-dessus. Et je pense pas en avoir d'autres, tu vois. Même en bas, là, il... Je sais pas si tu vas voir, mais... En bas, il est bien arraché, le bordel. Donc là, t'as le dessus. Donc ça va, tu vois, avec la petite pastille. Il a bouché l'entrée du carbu pour faire starter. Et là, on a le air filter. Bah, c'est barré la moisissure ou quoi? Ouais, tu vois. Là. Et là-dedans, c'est bien joyeux, tu vois. T'as des champis ici. La moisissure autour des durites. Plein de saleté. Mais c'est normal parce que l'air il passe comment déjà? Il passe en dessous, ouais, il rentre là, il doit remonter à travers le filtre et après il va dans le carbu. Donc tu vois, ça c'est notre petit support là que je suppose est pété. La clé Facom. Ouais, je t'ai pas dit la suite de l'histoire. Oh putain, mais ils m'ont remis de la merde là-dedans un peu de temps. Elle doit huiler un peu trop. Mais quand je vois autant de dépôts en si peu de temps et tout graisseux... Ah, il y a autre chose aussi. Il y a autre chose que j'ai remarqué. Quand j'avais tiré la poignée de lanceur, la cloche, elle était bloquée, tu vois. Et en fait, t'avais tellement de merde. Parce que lui, il l'avait pas nettoyé. Il y avait tellement de merde, là, comme ça, là. Je vais pas réussir à te choper, mais c'est un dépôt chaud, graisseux, tu vois ça. Que ça avait bloqué la cloche d'embrayage. C'est-à-dire qu'au ralenti, tu avais quand même ta chaîne... Toi là, elle est restée libre. Ta chaîne qui tournait au ralenti, quoi.
Mais tout ça à cause de la merde, en fait. Parce que la merde qui s'accumule là, en fait... Alors, t'as deux systèmes de montage. Des fois, t'as les cloches comme ça, des fois, t'as les cloches dans l'autre sens. C'est-à-dire, cette partie-là et le frein intégré dedans. Mais là, vu que le frein à bande, il est dans le cache, eh ben, ils ont mis la cloche dans ce sens-là. D'ailleurs, ce que j'apprécie, c'est que les ressorts, tu vois, ils sont un peu intégrés à la cloche. Il n'y a pas... Enfin, c'est bien, parce que t'as pas les petits ressorts qui s'usent ou qui se barrent ou qui pètent. Mais, donc, sur ce système-là, si t'as plein de merde qui va là, à mon avis, elle huile trop, pour qu'il y ait autant de merde en si peu de temps. Puis la chaîne, elle est un peu désaffûtée, là. Donc, puis surtout, elle s'est tapée la brouette, donc faut que je l'analyse, voir si ça a pas une dent qu'à péter. Toute la merde que t'as là, en fait, elle vient passer là, tu vois. Et après, elle s'accumule là-dedans. C'est comme ça que je l'ai vu. Et donc, une pièce très très importante sur les tronçonneuses, la petite pastille qui ici est en plastique. Donc ça a déjà dû arriver par le passé. Et tu vois les traces blanches qui sont fraîches, et bah c'est l'incident qu'il y avait eu là. Donc bah lui il a fait son job parce qu'en fait il vient là. Et quand la chaîne elle saute, bah, elle va pas aller plus loin que ce qu'elle peut là. C'est si t'as pas ça, la chaîne elle fait ça, elle fait tout le tour, et blam, elle peut même te choper la main, toutes les conneries quoi. Donc c'est très important. J'aime pas ce style, je vais te dire pourquoi. Dans toutes les entreprises qu'ont du style, où j'ai intervenu, que ce soit en stagiaire ou en tant qu'employé, donc c'est forcément des machines modernes. Sauf ma première entreprise, on avait les vieilles DEB, les toutes carrées là. Et je peux te dire que celle-là, elle wattait, tu vois. Là, je me disais, putain, j'ai une bonne machine quand même. Comme la TD40, toi, bien costaud, le machin. On faisait plein après plein après plein. La machine, du matin au soir, elle tournait. Ouais, sur une journée. L'autre journée, on faisait les fauches et tout ça. Mais des talus, des trucs et tout. Donc ça, ça marchait bien. Les nouvelles, par contre, ouais, il y a des problèmes, il y a des bugs, il y a un carbu électronique... Il y a des injecteurs maintenant. Et ça, bah, c'est de l'innovation, de la grosse connerie, tu vois. C'est de la merde. Surtout que... bah, tu vois, entre une 0.10 et une 0.11, si on prend des modèles récents, t'as rien qui est compatible, hein, que ce soit le lanceur, le carbu et tout. Ils ont tout. Chaque modèle a ses trucs. Il y a 200 carbus différents pour... je sais pas, genre si celle-là était produite 5 ans, il va y avoir 200 carbus différents, tu vois, avec des membranes différentes, des machins différents. C'est complètement tordu, c'est un système que j'aime pas du tout. Alors après, si t'aimes bien... alors ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui sont pas emmerdés par style. Et ça m'étonne. Certains particuliers... Moi j'aime pas. Après les vieilles bécanes comme ça, tu vois, comme les 0.34 ou même ça, ça reste des machines fiables. Qui même après ah oui les carbus qu'ils font ça c'est le carbu du Taille Steel du HS45 que j'ai acheté il y a 6 ans maintenant je crois ouais. Donc il a été fiable pendant 5 ans, je l'avais acheté d'occasion, toujours fait gaffe à l'essence et toutes ces conneries, et un beau jour il commence à déconner et puis ça va de pire en pire, il fume bleu machin jusqu'au stade où il démarre plus. Et il se noie d'essence. Donc c'est un cas que j'ai déjà eu dans les entreprises. Michael m'avait expliqué pourquoi. Et j'ai pu observer sur ce carbu pourquoi. Là, t'as un exemple à l'extérieur, donc je vais pas te le réouvrir. Parce que j'ai quand même changé les membranes et ça merdait après. Tu vois ça. En fait, un carbu, doit y avoir des trous dedans, tu vois, pour... Enfin, ils font des trous dedans pour pouvoir usiner certains passages et tout ça. Et ces trous-là, en fait, ils vont causer soucis. Pour le fonctionnement du carbu, s'ils sont pas rebouchés, parce que le conduit qu'il y a là, par exemple, il doit servir pour un autre truc dans le carbu, un petit passage, tu vois, peut-être ce gicleur qu'il y a là. Et donc ce passage, il est recouvert avec une petite plaque en alu et une colle époxy. Attends, putain, fais le focus, caméra, voilà. Tu vois la colle, là. Et bah ça, tu vois, là, j'arrive à l'enlever parce que je gratte. Voilà. Là, je me fais pas ça sur ton carbu s'il fonctionne. Hein. Mais tu vois, là, elle est un peu friable.
Et en fait, donc, quand j'ai démonté cette plaque qui est là, il y avait trois passages au total qui étaient bouchés par le même système, des plaques un peu plus grosses, des rondes, des machins, et l'époxy commençait à se barrer toute seule, et donc ce qui fait qu'il y avait des passages d'essence involontaire dans le carbu, donc ça avait augmenté la richesse au point où, quand tu avais le filtre à air enlevé, tu peux observer, voilà, quand par exemple, enfin même, enfin, non, il tenait plus le ralenti, quand tu accélères à fond, tu voyais l'essence, mais giclée à mort là-dedans, jusqu'au filtre à air et tout ça, quoi. Il dégueulait d'essence, hein, c'est le terme. Et bah, du coup, il tourne bien si tu injectes de l'air au compresseur en même temps, quoi. Enfin, tu fais toi-même le carburateur avec la buse du compresseur. Et rien que pour ça, je déteste ce style. Parce que, bon, ça reste un carbu Zama, chinois, hein, parce que tu achètes du chinois à prix d'or, mais spécial style, tu vois. Et bizarrement, les autres carbus Zama, je suis jamais emmerdé. Donc, en fait, c'est même pas la peine de changer les membranes là-dessus. Je crois, tant c'était la débrouille du voisin, je sais plus, il y avait. Mais autant acheter, en fait, si c'est dispo, hein, ça, en fait, t'as tes numéros, putain, ils sont où? Donc, faut regarder, tu nettoies ton carbu, parce que généralement, c'est plein de merde. Et sur internet, tu vois, là, il y a marqué C1Q. Donc, déjà, t'as la référence ici. Donc, c'est un Zama C1Q. Et ici, tu as le reste, voilà, à peine marqué. Donc, c'est un C1Q S70 pour mon HS45. Sauf que tu as eu 50 modèles différents sur le même HS45. Donc, en fait, bah, ce modèle-là en particulier n'est pas reproduit par les Chinois. Mais je pense que je vais acheter un autre et puis faire l'essai quand même. Chinois, hein, parce que les Chinois, ils sont vraiment pas chers. Alors par contre, bon alors des fois ils te fournissent les durites, les crépines, filtre à air, tout le bordel. Les bougies aussi. Donc je te déconseille d'utiliser les bougies quand même. Hein. Bon, elles vont fonctionner, mais elles vont péter un jour ou l'autre, assez rapidement d'ailleurs. Par contre, les carbus fonctionnent bien, condition que tu respectes hein, l'essence et tout ça comme toute machine. Et surtout, n'utilise pas les durites style chinoise. Surtout, surtout, surtout. Si elle est pétée, t'en rachètes une style. Parce que la mousse, en fait, enfin la durite de merde, la élastique pourrie là, qui fout, ça marche bien quand c'est du style. Quand c'est du chinois, ça pète direct. Tu le laisses. Ouais, le voisin, il l'avait laissé 2 mois, ça a pété. Donc j'ai remis celle que j'avais gardée, qui était bonne, que j'avais démontée. Toi, je me suis dit, je vais tout remplacer. Puis j'ai remis ça, puis c'est bon. Mais voilà. Donc, les carbus chinois ça va, si tu veux pas mettre l'argent dans un carbu style. C'est pas compliqué à remplacer, donc si tu veux économiser de l'argent mais bien faire, bah t'achètes le bon carbu style et tu le remplaces toi-même. J'irais même jusqu'à dire, t'emmerdes pas à remplacer les membranes, change le carbu direct. En fait, un carbu chinois copie style est moins cher qu'un kit durite style. Tu vois le bordel? Qu'un kit membrane style. Donc c'est pour ça. Bon. Et sinon, t'achètes pas du style, t'achètes du éco et tu seras pas emmerdé. Parce que éco, ils ont gardé une conception un peu ancienne, tu vois, mais remise un peu au goût du jour. Donc ça marche bien, ça reste des carbus normaux, des allumages normaux. C'est pas. Ils sont partis super compliqués, quoi. Après, sinon, c'est du consommable, c'est de la machine consommable. T'achètes et tu jettes. Et c'est là où j'en reviens pour terminer l'histoire entre style et puis donc cette machine et la tronçonneuse électrique premier prix du voisin. Parce que donc je lui affûte sa chaîne, je lui réusine un peu son guide gentiment, tu vois, les côtés, machin. Je lui dis, fais gaffe, il est bien usé ton guide. Ça a dû tourner un peu sans huile, tu vois, à un moment. Et bon, en gros, c'est du dépannage. Je lui ai dit, bon, par contre, on va Monsieur Bricot, on va voir s'ils en ont pas, tu vois, vu que c'est le genre de machine qu'ils vendent. On va là-bas, je trouve les chaînes, je vois 30 euros la chaîne, je cherche les guides, ils vendaient pas de guides. Bon, tu vois, c'est pas un énorme truc. C'est pas un énorme magasin de bricolage. Et du coup, je tombe sur un vendeur, enfin, c'est le vendeur, bonjour, cherchez quelque chose? Je fais, oui, justement, cherche un guide et une chaîne pour les tronçonneuses premier prix. Entre-temps, en fait, là où il y avait le vendeur, si tu veux, il y avait la même machine qu'il avait, quoi, la
tronçonneuse pourrie, premier prix. Et je vois quoi, elle était à 70 balles, un truc comme ça. 68 ou 70 balles, un prix comme ça. Et je lui dis, mais je viens de voir le prix, à mon avis, un guide et une chaîne, c'est plus cher. Il me dit, exactement, en fait, ça vaut pas le coup de changer la chaîne et le guide, vous changez de machine, tout simplement. Donc voilà, bienvenue dans une belle société, hein. C'est ça qui est fou. Bon, donc, celle-là, ce qui serait bien de faire, c'est un sacré nettoyage, tu vois. Celle-là. C'est très très subtil. Et il me refaut mon petit pic. Tu vois la lumière? Là, elle fait une courbe. Donc ce maillon-là, il a tapé. Ah bah oui, ouais, bah quand tu regardes le suivant, tu comprends. Lui, ça a pété la... Allez! Lui, ça a pété la tête, là. D'ailleurs, tu remarqueras les nouvelles Elagostyle, électriques ou thermiques, hein. C'est toute petite chaîne, toute fine de merde. J'ai l'impression d'être bijoutier à faire ça. Bon, tu fonctionnes, le focus. Ta remplaçante, elle vaut 700 balles, donc j'ai pas encore les finances de faire ça. Et voilà. Tu peux voir, elle est pétée là. Le reste, ça va. Et les dégâts que j'ai vus, c'est rattrapable. Donc, pas problème, chef. On peut voir que la peinture n'est même pas... usé, donc à mon avis la chaîne, c'est une chaîne Seal d'ailleurs, je vais même pas regarder, putain. Alors les tailles de chaîne, ne me demande pas, je ne connais pas. Il y a marqué TB. C'est tout. Parce que les styles c'est marqué dessus, donc à mon avis, ouais, c'est pas la chaîne d'origine, elle a été remplacée en même temps que le guide à mon avis. Donc c'est bien. Donc, ce qui est très important sur les guides, ces trous-là, bon, tu t'en fous un peu. Ces trous-là sont super importants, c'est ce qui permet d'huiler. Donc, toi, ces pics à la con là, que j'ai trouvé à je sais pas où, il y en a un peu la merde que je vais sortir. T'as vu? Tu vois un peu là? La merde! Bon, ils font des outils pour ça, mais tu vois, un petit pic comme ça, c'est vraiment top. Et bon, j'ai la chance d'avoir un compresseur, donc je le passe à fond les ballons là-dedans, une fois que j'ai passé mon pic. Je fais gaffe à ce que les petits trous huileurs soient bien débouchés. Ça, ça arrive aussi, quand c'est bouché, c'est la merde. Tu vois, ce côté-là aussi, ça va être joli. C'est un peu ce qui tombe. Tu vois ce qu'il y a là-dedans? Ah, ah oui. Oui, la chaîne a mangeaillé du carter, là. Ouh, j'avais pas fait gaffe. Donc ça, c'est le souci de tourner avec une chaîne trop détendue. Là, tu vois un peu le topo. Surtout celui-là, là, qui est... Oh là, lui, il est complètement mort. Mais ça, ça doit être l'huile de... C'est l'huile de chaîne en bas, d'ailleurs. Ouais. T'as l'huile de chaîne qui l'a bouffé. C'est les autres, ça va. Mais en fait, l'huile et le caoutchouc, ça fait deux. Et puis lui, il est complètement ravagé, quoi. Donc j'en ai bien un, parce que ça a l'air d'être à peu près les mêmes, donc je dois bien en avoir un là-haut pour remplacer ça. J'ai retrouvé la caisse magique à l'étage. C'est toujours bien d'avoir un peu de stock. Et surtout, ben là, tu vois, j'avais démonté une machine qui pouvait pas fonctionner. Et c'est vrai qu'au lieu de mettre un module, j'aurais pu remplacer... j'ai une petite bobine d'avance. Donc ça, c'est le petit cache qu'on a ici. Ça doit être les mêmes. Ouais. Donc à l'époque, tu vois, il y avait des étiquettes. Ah, tu vois, ça c'est bien. Celui-là, il a jamais... Il n'a jamais touché une chaîne, tu vois. Ça va retrouver les pièces aujourd'hui. Je sais même pas si ça serait dispo. Ah bah, y a pas photo. Y a vraiment pas photo. Et tu vois, celle-là c'est une 0,10 et celle-là c'est une 0,11. Je serais curieux de voir les numéros là-dedans. Ah, ça c'est la pièce. Alors 9 9 1120 1120 648 648 0405 0405. Donc c'est les mêmes pièces. Bien nettoyer ça, parce que bon, réparer avec un bout de grillage et une vis, ça fait plus propre quand même.
Tu vois, le piston. Je sais pas pourquoi je garde le piston, parce qu'il est fucké de toute façon. Putain. Serrage. Ah oui, non! Les serrages dans les coins, j'avais vu que c'était dû au surchauffe. C'est-à-dire qu'en gros, tu démarres, t'accélères, tu coupes direct. Donc ça doit être ce cas-là, tu vois. Juste quand c'est marqué là. Parce que sinon, c'est généralement ce niveau des lumières. Donc, mauvaise utilisation. Et un. Ah, yes! Donc tu vois, j'en ai qu'un. Mais, pour aller en bas celui-là. D'ailleurs, celui du haut, il paraît plus gros. Celui du bas, il est plus. Mais de celui du bas, celui-là. Toi, d'un côté, t'as un filetage et de l'autre côté, une partie vissée. Donc, il y en a un qui s'étonnait d'avoir une boîte de. Enfin, qu'il y avait une boîte à clapet sur ma 320. Mais tu vois, t'en as une aussi sur celle-là. Ah, mais regarde! Je suis distrait. Tiens, regarde. Je t'ai pas montré la petite bielle. Ah. Il est où le roulement? Après, il n'y a plus de roulement. Mais il avait dû éclater le roulement. Tu peux pas démonter les roulements là-dessus. Bah, ça doit être ça, le roulement il a éclaté. Et puis ça a biaisé tout le reste. Oh putain. Je savais plus ça, tu vois, de mémoire c'était juste un serrage, mais non. Ouais. Et puis là, du coup, ça me fait une cloche de remplacement. Pourquoi ça a été bouché ça? Enfin, tu vois, je redécouvre des trucs là. J'étais encore en étude quand je l'avais démonté. La cloche est différente. En même temps, ils appellent ça électronique quick stop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? T'as une partie métallique derrière. Bon, t'as déjà compris, hein. Je vais prendre cette cloche-là, puis je vais la monter là, mais... Celle-là, elle a un peu de jeu. Ouais, les deux en ont, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Bah, attends, il manquait des parties de la pompe à huile. Là, je vois une durite, mais là, il y a une plaque. C'est quoi ce bordel? C'est pour ça qu'avec la saleté, tu vois rien en fait. On va faire du tuning. C'est bizarre qu'il y ait une durite avec un. Bah, c'est le réservoir d'huile. Ah bah, non, l'huile c'est en bas. Pourquoi? Ah! Non, ça doit être la ventilation, parce que le bouchon n'a pas de ventilation, tu vois, sur le réservoir. Donc ça doit être la ventilation du réservoir d'essence. Parce que la durite est là. Et vu qu'il n'y a pas de port d'amorçage, t'as pas de retour. Donc, c'est-à-dire... Que eux, ils ont pris la ventilation, ils lui ont dit fuck. Toi, donc c'est une machine qui avait déjà été trafiquée, ça. Mais en tout cas, la cloche est bien, elle est beaucoup plus propre. Mais bon, c'est, tu vois, en fait, le fait d'avoir une machine même serrée, hier, c'est bien, t'as les pièces de côté, quoi. Parce que va trouver sur internet la référence de ça, enfin, même un cache de côté, quoi. Par un d'occasion, t'en auras jamais un neuf. Donc bon, voilà. Par contre, l'allumage est entièrement démonté. Et pourquoi celle-là s'appelle électronique et quick stop? C'est ça, je comprends pas. Faudra que je regarde. Et puis il y a le bouton on off aussi. Là. Ah oui, c'est vrai qu'il marche avec une tige et tout ça, lui. Ouais. Bon, il y a un peu de nettoyage. Il y a ça aussi à contrôler là. L'usure des pignons, celle-là ça va. Ah oui, l'autre s'est attaqué. Oh putain! Ah bon, tu vois, on fait bien de changer. Ah, je coupais le compresseur, c'est un peu chiant.
J'ai tout nettoyé, tout dégraissé, tout est nickel. Et tout ce qu'il me faut, c'est enlever la cloche ici et celle-là. Donc je vais te montrer ça quand même parce que je sens que tu vas pas trop comprendre. Bon, elle est neuve. Regarde un peu comme elle est propre là. Fait plaisir ça, hein.
tous les petits recoins bien nettoyés. Bon, maintenant c'est une 010 de 83 au lieu d'être une 011 de 82, mais... Et puis tu vois la poignée là? Oh putain, elle bouge plus. Enfin, elle a juste ce qu'il faut. Deux cylindres blocs derrière, un ici, un là. On peut voir la différence de comment se tient la poignée comparé à l'ancienne. Donc j'ai changé le bouchon d'huile, un peu moins beau, mais au moins il y a la petite chaîne et tout ça. Au lieu d'un fil en nylon. Le frein s'active bien. Donc, l'huile de chaîne, je sais qu'il y en a. L'essence, c'est peut-être autre chose. Ah si, il y en a. Ouais, il y en a encore. Puis c'est l'essence que j'avais mise, donc on va la démarrer. Je vais rien couper avec. Je vais pas l'affûter pour l'instant. J'arrête à affûter plus tard. Juste la démarrer pour que tu vois un peu comment elle tourne. Et puis surtout, maintenant que le filtre à air est super propre, je vais voir s'il n'y a pas un petit réglage à faire. Je viens de prendre chaîne, starter, on, bloc accélérateur. La chaîne se détend un peu, là c'est coupé. Ça lui fait du bien de tourner. Alors, les petits copeaux.
ici. Je dirais l'allumage quand même qui merde, mais un petit réglage s'impose. Ouais. Alors le ralenti. Bien caché le ralenti. Elle a chaud au cul. Hein. Je commence à l'apprécier là. J'aime bien comme rigole. Tu fais 330, bon, faut que je refasse le carbu. Celle-là, tu vois, j'ai des pièces de côté. Non, bien. Bon, tu vas me dire, les copeaux, ils sont pas trop pourris pour une chaîne désaffûtée. Ce qui est pas faux, mais bon, faut quand même que je la réégalise, que je remette un coup d'affûtage. Oui, je viens de passer une heure à tout nettoyer, et oui, je viens de la ressalir, mais c'est le but des tronçonneuses quand même, hein, c'est de couper du bois. Et tu vois, bon, la chaîne s'est un peu redétendue, donc de toute façon, je la retendrai un peu. Et huile pas trop, ça va. Au ralenti, il y a quand même pas mal d'huile qui pompe, parce que première fois que j'ai accéléré, ça fait un bon jet. Mais maintenant que tout est bien débouché, ça devrait aller. L'idéal quand même, bon, ça serait de changer la crépine du réservoir, et pareil pour le réservoir d'huile de chêne, mais bon, ça va, elle fonctionne correctement. Comme tu peux voir, à froid, ça allait très bien, et dès qu'elle était bien entampée, là, après des bonnes coupes, elle commençait à tourner pauvre. Alors j'ai hésité avec l'allumage, parce que bon, module d'allumage, machin, ça a déjà été bricolé, et en fait, toi, j'ai remarqué en mettant le starter que bah ça allait, tu sais, tu le mets 2 secondes, tu l'enlèves, et puis si tu sens qu'elle accélère bien, c'est un niveau de la carburation. Donc effectivement, j'ai dû réenrichir un peu le mélange, mais ça c'est tout con, hein. Tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai bien nettoyé le filtre à air. Vu qu'il y a moins de restrictions, la machine respire mieux, donc le mélange est un peu plus pauvre, forcément, donc faut refaire un réglage, quoi. Mais, enfin, tu vois, c'est assez facile, hein. T'as 3 vis, là, c'est accessible. Bon, elles sont pas marquées, mais en haut, c'est accélération, en bas, c'est ralenti. Et là, c'est réglage du nombre de tours minimum. Elle a bien chaud au cul, là. Je l'ai bien fait fonctionner, là. Mais voilà, ça tourne bien. Il n'y aura plus qu'à rafuter la chaîne, et puis, non, je vais peut-être la garder, celle-là. Vu que mon tailleux il est en panne, bon, ça me garde une machine style de côté. Puis ça, c'est du vrai style, tu vois, ça fonctionne. Enfin, ça se répare. Là, t'as des pièces de la 010, pop, ça va sur la 011. Bon, là, je t'ai changé les carters et tout ça parce que la peinture est plus jolie, plus propre, c'est pas cassé. Là, ça fait vraiment une tronce en bon état, quoi, en changeant les CN blocs. Donc voilà, c'est le petit projet quasiment restauration, là, pour le coup. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.